Bam! Retour sur le plateau, re-YouTube, re-Twitch, OMG. Nous sommes sur Cult of the Lamb, jour 84, du commutalisme. Et aujourd'hui est un grand jour. Vous n'êtes pas là pour rien, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas là pour rien, vous allez assister à deux choses. Aujourd'hui, c'est naissance et renaissance. Naissance et renaissance. On va d'abord commencer... Alors, c'est pas dans le bon ordre, mais on va commencer par la renaissance. On va commencer par la renaissance, monsieur là. Allez. Ah bah non, merde. J'aurais dû attendre. Bon, quoi qu'on s'en fout maintenant. Allez, tout le monde est content. C'est la maison du content. Bravo à tous. On gagne plus de niveau parce qu'on est niveau max. Merci, merci, merci. Oh, ouais, c'est beaucoup. Ok. Maintenant, il est temps de faire revenir un ami. Faire revenir un ami de tous dans ce village. C'est où? C'est là. Nous allons faire revenir pour la 500e fois. C'est son anniversaire. Alan, 102 ans, ce n'est pas assez. C'est pas assez, 102 ans. On en veut toujours plus. Allez, Alan, tu reviens. Voilà, mesdames et messieurs, Alan est de retour sur le plateau. Alan va pouvoir voir son fils. Alan... Comment ça, Alan est malade? Putain, il est malade parce qu'il est revenu à la vie, héros. Si on m'avait dit que ça rendait malade, je l'aurais pas fait revenir. Alan is back on the track. Et il est pas venu là pour rien. On a fait venir Alan pour une raison bien précise. Il est là, l'enfant du démon. L'enfant de Alan et Tommy Giel. Qui ont insisté hein, pour être les premiers à effectuer le sexe ici. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Adepte est l'enfant de Tommy Giel officiel plus Alan Louvel. Ah mais... Ah non, je peux pas vous donner... Oh, OMG, c'est quoi son nom alors? Attendez. Tommy Giel et Alan Louvel. Tommy Giel officiel, attention. Ah, c'est Alan officiel alors. Bizarre, bizarre ce truc. Alors, Tommy Giel, Alan. Tommy Giel, Alan. Thomas Nalignagel. Aucune idée. Je veux trouver ce nom très vite parce que la musique est en train de me rendre fou. Alan Louvel. Thomas Louviciel, c'est parti. Ce qui veut dire que cet enfant est réel. Il est là, il existe. Et donc c'est un bébé, c'est vraiment un bébé. C'est pas juste un villageois. Oh non. C'est vraiment un gros bébé. Ah, il y a une musique pour le bébé. Si je m'en vais si je m'en vais loin et elle est plus là, elle est toujours là. Oh. Donner de l'attention à l'enfant. Oui, oui, oui. Regarde, regarde, c'est ton taureau, allez, hop, hop là. Tu travailleras pour moi bientôt. Il était pas censé être horrible, l'enfant? Il était pas censé être démoniaque ou un truc comme ça? Oh, pas mal. Ok, bah, j'espère que vous êtes contents. Hein. Pourquoi personne fait rien? Pourquoi personne prie? Ah, si vous aussi en train de prier pour moi. Ok, bon. Sympa cette petite musique. Oh bah, Sashi. Sashi Bouligana, Mugi voilà. Oh sympa cette petite musique. Oh, il a déjà chié par terre. C'est pas lui mais c'est pareil. Allez, c'est ma tournée d'herbe pour tout le monde. Ouais je rigole, on en met un petit peu de chou-fleur également. Un petit peu de citrouille, on met de tout, on met de tout. Et on va mettre un petit mélange délicieux, voilà, pour les derniers. C'est bon? Oh la musique. Goofy A. Goofy A sound. Putain, j'ai niveau 4, il est plus fort que certains. Plus fort que Kelly Ferry qui est là depuis 1000 ans. Bah. Bah alors, il vient de chier là lui. Thomas Louviciel. Putain, mais quel nom de fou je lui ai donné en fait. Magnifique ce nom. Ouais, je mets que 4. Vous travaillerez un peu moins là. Vous avez le droit à vos congés.
Bon. Oui, c'est vrai que j'avais décoré ici. Bon, c'est pas la meilleure déco que je pouvais faire, mais... Mais bon, ça va. C'est ok. Il manque deux lits. C'est impossible. C'est jamais arrivé. Ok. On va pouvoir modifier une construction. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Et maintenant, il manque 4 lits. Bravo. Allez. 1. Et 2. Voilà. 6 lits d'un coup. Là, on pourra plus rien dire. Hein. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Installez-vous. On vient de vivre un moment d'exception. La naissance d'un enfant. Attendez, Pouletto Loco, pourquoi t'as peur? Tout va bien? Tout va bien, Pouletto? Alors... Voilà, ça y est. Ça y est, ça va mieux. Pourquoi vous arrêtez de travailler des fois quand j'arrive? Leandro et Aurélette, c'est apprécié, bravo. C'est bon, vous avez tous votre petit lit, vous êtes heureux? Bravo. Ah, c'est un grand jour. Pourquoi tout le monde chie par terre? Ah non, mais c'est juste Thomas Louviciel qui chie par terre. Putain. Allez, on va faire venir deux d'entre vous. Ven qui apparemment se met en premier, pourquoi, je ne sais pas. Non, on va profiter. Il est de retour parmi nous. Il est de retour parmi nous, Alan. Je vais avoir les giga explosifs. Les giga explosifs d'Alan. On les prend. Et ensuite, les 1 milliard de cœur de Booksy. Voilà. J'ai raté la naissance. Ah non, vous inquiétez pas, il y a la relief. Oh, Youps qui va devenir niveau le prochain. Le prochain. Qu'est-ce que... Mais Alan et Booksy, on vient de vous voir transformer en démon et partir. Qu'est-ce qui vient de baser? Qu'est-ce qui vient de se séparer? Et Teia Panda s'envole pour aller chercher le cœur rouge. Bah voilà. Allez Teia, tu viens avec nous. J'en ai 3, on va en profiter. Bon, pas de mort en mon absence, ou alors pas trop. Il y en a déjà 2 là. Tiens d'ailleurs. José, on va découper José. On va pas gâcher, hein. On va pas gâcher. Ah, c'est pour faire de la place, pour pas que ce soit rempli, ce serait dommage. On fait de la place. Là, notre objectif est clair. On va tuer un deuxième prélat. On va retuer un deuxième prélat. Il faut qu'on y aille. Ah, c'est vrai que je devrais faire le purgatoire aussi pour avoir des larmes. Des petites larmes zouzes. Oui, oui. Je veux faire le pélis de l'agneau numéro 2. Pas de mort, pas encore de mort, tout va bien. Pas encore de mort. Alors, oh, c'est vrai que c'est long, j'ai oublié. J'ai oublié que c'était long ça. On va passer par là. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. On va se démarrer ici. Bon, n'oublie pas. Hein. Dans ce mode, les villageois ne vieillissent pas, tout va bien, il n'y a aucune ressource à gagner. On doit juste gagner les défis. J'avais pas vu que j'avais un tromblon, je l'ai looté. Hop les. Ah, la petite carte, on prend par contre. Hein. Des reliques. Ou non, la carte. Comme ça, au moins, je sais où je vais. Mon but, c'est d'aller vite là. Hop là. Le but, c'est la rapidité. Y'a pas de démon dans le purgatoire, c'est pas grave ça. C'est pas grave, vous serez là pour le prochain vrai donge. Alors, 10% de chance d'infliger un coup crit. Let's go. Ça se prend. C'est quoi ça? Dès de la place maudite, 50% de chance de premier cœur corrompu ou 50% de chance d'infliger les dégâts à tous les ennemis. Bon, ça me servira une fois, mais ça peut être cool. On va s'en servir contre le boss. C'est de casser la couille. Merde, j'ai pas vu. Je l'aurais pas vu, lui.
Mais il tire énormément, lui. Pourquoi tu tires autant? Il est fou. C'est quoi, ça m'a saoulé. What the hell? Merci beaucoup Axel Simini pour les 5 subs offerts, des gros bisous, merci beaucoup. Et on se rapproche, hein. On se rapproche des 111, mesdames et messieurs. On se rapproche beaucoup. Merci beaucoup. Hache vampirique. En vrai, le trombone, ça m'ennuie, là. Vas-y, je prends la hache. Merci beaucoup, Axel, encore. Des gros bisous. Petite carte. Oh, 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 la vitesse d'attaque multipliée par 1,5 avec la hache. Ça, c'est oui, ça. Ça, c'est oui. Hop là. Ok, ok, on se calme ici. Calmez-vous. Merci. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est fanatique, un mec qui gravite et reproduit au maléfice. Bah, alors là. Alors là. On dit oui à ça. Le témoin Agarès, il est relou, lui. Il fait que invoquer des trucs tout le temps. Du coup, c'est fort son truc. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Faut que j'essaie de le spawn shot. Ah, ça marchera pas. Je fais pas assez de dégâts. Assez de dégâts pour ça, là. Dégage! Dégage! Ok. Top. Alors, j'ai encore le droit à une... dent à la maudite, alors ça. Oh, les gants vampiriques 23 aussi. Ah non, gants vampiriques. Hein. Gants vampiriques 23, très clairement. Les gants plus rapides, là, en plus, ça va être magnifique. Ok, on prend. Oh, il y a une petite carte, là. Allez, vas-y. Tac, tac. J'ai très envie d'une troisième onde sur le jeu. Techniquement, ce serait ma quatrième. Mais c'est vrai que ce serait la troisième en votre compagnie. Vu que la première date d'il y a très longtemps... Hop, 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 hop. Voilà. C'est pas mal. Hop, hop. Quoi? Ah mais il y avait du décor qui me bloquait en fait. J'ai pas fait gaffe. Bon, ça me cassait les couilles cela. C'est quoi lui, il est fou? Il est fou celui-ci. Non, en bas. Plus que 9 subs, sérieux? Oh, y a peut-être un ou deux petits primes qui dorment là, les gars. Vous avez pas laissé Axel Simini tout faire, quand même. On a déjà fait tellement énormément ces derniers jours. Merci encore, Axel. Des gros gros bisous. Laisse-les terminer le travail, s'il te plaît. Charme de chenrou et diminue votre taille. Mais j'ai que des trucs... j'ai que des trucs à usage unique, let's go, hein. Du coup, je suis ultra rapide, là. Je suis rapide, man. Je suis flash. Flash, me voilà. C'est ça. Choc de la couronne ou marteau divin. Let's go. Oh, le marteau divin rapide. Oh, toutes les cartes sont là. Et on en a une de plus. Multiplie les gars par deux. Deux cœurs supplémentaires, c'est pas mal. Plutôt pas mal. Il faut combien de fragments de lame pour en avoir une? Bah, plus on avance, plus il en faut. Tiens, vas-y, je fais ça. Donc, y a pas vraiment de question pour ça. Alors, 10% de chance de recevoir un soin à la mort d'un ennemi. Bon, pas ouf. Pas ouf, d'ailleurs, ça. La puissance. Oh là là.
Voilà, oh dans ce puits. Doigt de l'exorciste. Oh là là là. Ça ne s'arrête jamais. Tellement puissant. Ça balance des patates de four. Je l'ai annihilé en un coup. Aïe 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 aïe. Oh bah pas fort s'habituer à ça hein. Pas fort s'habituer à autant de puissance. Oh là 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 là. Gandiva. Let's go. Encore mieux. Oh là là. Encore plus de liberté. Encore plus de liberté, on attaque vite. Oh aïe aïe aïe. Mais le jeu me régale. C'est pour fêter la. C'est pour fêter la naissance. Merci. Hop les. Hein? Châtiment sacré. Ah, repousse et empoisonne les ennemis. Ah, mais c'est ça la dernière fois que je m'étais dit, oh, c'est le châtiment divin. Mais non, pas du tout, c'est pas la même chose. Dague arbitraire, ça non. En vrai, ce sera pas si mal qu'il fasse ça, mon œil. Mon œil va imiter ça. Littéralement tout oblitéré. Je sais pas ce que je me suis pris, mais c'était mérité. Juste rien vu. Ah, j'ai gagné un cœur, bien sûr. Ah, top! Top d'attaquer frame 1 de sa naissance. Quoi, encore? Ron œil. Rhum globe oculaire. Et bah ça fait plaisir tout ça. C'est plutôt plaisir. Ok. Témoin bâtin. On aura tous les témoins là. Tu fais quoi lui? Allez voilà, ça va encore spawner de la merde. Mais j'ai une portée de bâtard alors que je suis minuscule. Putain, je l'ai pas annihilé. Mais j'ai une portée dans l'écu. Merde, j'ai pas vu qu'il me fonçait dessus lui. Dommage. Putain, il a eu le temps. Ce bâtard. Pas le temps du coup, moi je spam comme un connard du coup, vu que je me suis fait toucher une fois. Voilà. Temps aucun. Actuellement aucun. Hop les. Allez, allons-y. Bon là je gagne deux petites larmes là. Au moins deux. Peut-être une troisième avec de la chance. Mmh, ça va partir sur seulement deux. Tac. Mais c'est déjà pas mal. Oh oui. C'est plutôt sympa. Espérons une petite tablette pour avoir de nouveaux commandements. Allez, donne. Donnez, donnez, donnez. Faut un nouvel adepte. Bah, ça va arriver, attendez. Hein. Ça va arriver. Ça arrive, on attend. Je viens de lire Tommy JL. Je viens de lire Tommy JL et je suis déjà énervé. Top, bah j'en ai deux. Let's go. Waouh, formidable.
Michel est gravement malade et a besoin de repos. Jenny, calmez-vous. Vous êtes malade encore. Vous êtes malade, vous êtes deux. MG, comme Crystal a offert un abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'abonnement offert à Eteia Panda. Mais OMG, j'ai que des tablettes maintenant. Oui, il m'a pris pour un fan d'Apple. Il m'a fait des tablettes, le gars. Bon bah, je vais vous soigner, ça tombe bien que je sois juste à côté, quand même. Youbs et Tommy Gieu, lalala. Une fois qu'ils se battent pas. Je dois supprimer les pubs. Offrez la sécurité de ne plus avoir de pubs pendant mes displays. Et bah voilà, tout le monde est content. Il y a encore des plats à cuisiner ou pas là? Bon, je vous en remets. Non. Voilà. On en rajoute. Et il y aura bien quelqu'un qui sera chier à faire un petit peu de... Voilà. C'est vrai qu'il faudra que je le fasse niveau 3, ça. Voilà, Youbs est en pleine forme pour pouvoir travailler. Hop. On met des graines. Comme ça, vous aurez du boulot. Il est... Mais il dort où, le petit, là? Il dort où, le petit? Il dort avec... Ils étaient censés dormir là, les deux amoureux, mais... Ils sont occupés. Ils sont un petit peu occupés, si jamais. Petite info. Allez, on va se battre. Oh, attendez. Pour aller se battre, il faut... sacrifier un adepte. Un adepte niveau 4. Aïe, 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 j'avais oublié. J'avais oublié. Putain, non. Non. Oh, merde. Oh, pinaise. Godfrey, Relais, Youbs, Kali, Ferry... Bah non. Il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles. Aïe, aïe, aïe. Thoman. T'es bien. Cette année, t'es un enfant, alors. Oh. Alors, quels sont les contestants? C'est... Ah, vous êtes vraiment quatre. Tommy JM. Putain de merde. Attends, mais t'as un rôle important quand même, Tommy Gilles, putain. Youbs, Aurebled, Godfrey. J'ai envie de sacrifier aucun d'entre vous. Il va falloir que vous fassiez un choix, mesdames et messieurs. Godfrey, je sais... Qu'est-ce que Godfrey a fait de significatif? On ne sait pas. Aurebled. Aurebled m'a fui pendant très longtemps, il s'est enfin... il va enfin mieux. Youbs, on l'a fait revenir il y a pas longtemps. Non, pas Youbs, vraiment, Youbs, on l'a fait revenir il y a pas longtemps, putain. Alors que Tommy JL. Je suis pas là pour vous influencer, mais... Je vous laisse faire ce que vous voulez. Godfrey, âge 76 en étant niveau 4 quand même. Pas très actif en 76 ans. Godfrey avait donné de la merde à Eteia, ça, ouais. Non, mais si vous voulez, attendez. Si vous voulez débattre. Si vous voulez un petit débat. Écoutez, moi, je vous laisse. Ok. Je vais lire le chat. Actuellement, je vais lire le chat. Donc, on rappelle, les sacrifices ne sont pas ressuscitables. Bien sûr. Tommy Giel, il dit Godfrey avait donné de la merde à Eteia 3 fois. Eteia est d'accord. Voilà, ce sont les infos qu'on donne. On ne pourra plus ressusciter ces gens-là. On ne pourra plus ressusciter la personne qui va mourir. Sachant qu'il y en aura d'autres qui vont mourir. Tommy JL a tué énormément de gens. Voilà. Godfrey a donné de la merde à manger. Bon, c'est pas... Je vous laisse. Votez. Je vous laisse voter. Sachant que ne votent pas uniquement ceux qui sont dans le culte. Les viewers simplement votent également. Si ça se trouve, beaucoup de gens dans le silence
haïssent l'un d'entre vous sans le dire et veulent votre sacrifice. Vous serez entendu, hein. Vous serez entendu pour ce sacrifice, vous serez remercié. Vous avez voté Godefroy, mesdames et messieurs. Godefroy, merci pour tes loyaux services. On ne sait pas lesquels, mais ils étaient là. Tu as une très belle robe, Godefroy. Tu meurs dans tes habits de lumière. On se souviendra de toi comme celui qui a été le premier à nous ouvrir la porte vers la rédemption. Il y en aura encore deux. Tu ne seras pas le seul, Godefroy. Merci pour tout. J'espère qu'un jour nous nous reverrons. Salut mon pote. Oh, j'ai pas hâte d'ouvrir une prochaine porte, hein. J'ai pas hâte, hein. Mais pourquoi tout le monde est malade? Ah, parce qu'il vient de manger un truc, je suis con. Pourquoi l'état de maladie est... Tomigène, non, arrêtez. Ah, Tomigène, je viens de te sauver la vie, putain de merde. Ouais, par contre, non, mais... Excusez-moi, mais par contre, c'est vraiment de la merde, ce système de combat. Genre, tu les sépares et ils se rebattent direct. Ah, Tommy, je te jure, si tu tues quelqu'un, t'es le prochain sacrifié. Putain! Les élèves ont été soignés grâce au chatouille. Bah, merci. Je viens de le soigner. Et pourquoi c'est dégueulasse ici? Qu'est-ce que... Oh! Ça y est, maintenant tout le monde utilise les toilettes. Avant, personne ne le faisait, maintenant tout le monde chie par terre. Putain, c'est extraordinaire, cette histoire. Et vous avez tous mangé, déjà? C'est bon, je peux aller bosser, moi? Parce que c'est pas tout ça, mais bon... Alors, on y va. Godefroy, on pense, hein. On pense à Godefroy. Vengeance, naissance et renaissance. Il y en a eu des choses. Âge vampirique. Ah, c'est pas divin. Ah, je me suis habitué au luxe, là. Ça va être compliqué, hein. Après ça va, c'est pas à chier. Bon, ça par contre c'est à chier, mais c'est mon problème. Hein. Bon, maintenant, les gens vieillissent et je peux collecter les ressources. Donc c'est important. C'est intéressant. Rebled a vu une jolie tenue, bravo Rebled. Hein. Bravo, tu m'as déconcentré, ça dit, mais bravo. Y a un objet là-bas ou pas? Ah oui. Pas de raté. Deux cœurs, oui. L'offrande, non merci. J'ai pas assez d'argent pour faire ce genre de petite action luxueuse. Ah, j'ai doublé mon nombre de cœurs grâce au cœur supplémentaire là. On est bien. On est bien bah. J'ai pris quoi? Il y avait quelque chose là? Bon, ça j'ai vu. Ça j'ai vu et c'est ma faute. Mais j'étais habitué à être rapide, du coup là ça fait trop bizarre d'être lent. Oh non, je me suis habitué au luxe. Allez, on y va. Là, tu vas venir m'embêter, non? Ouais, voilà, ouais, t'es sûr. Ouais, t'inquiète, je veux pas cacher ta statue, mec. Ah bah, il l'a pété lui-même. Mais t'as pur, tu oses me piéger. Super système se faire souffrir, tu souffriras aussi. Pas envie, mec. Attends, on voit rien. Mais quoi? Mais j'attaque, pourquoi ils sont pas morts? Putain, je perds tous mes points de vie. Je joue comme une dumps. Oh, le harcèlement! C'est déloyal, autant de monstres dans une si petite pièce avec aussi peu de lumière! Bâtard, gros con! Collabo! Oui, bah encore, pendant 1h30, hein, je suis là. Si vous voulez, je suis dispo jusqu'à 21h, c'est bon. Oh, je vais péter mon crâne. Frère, le monstre, il fait un tiers de la pièce!
Oh, j'exagère un tout petit peu, mais à peine, hein. Thomas Lovienne n'a pas reçu l'attention aujourd'hui, quoi? Non mais c'est qu'en plus il me casse les couilles si je lui fais pas gougou gagag là! Oh l'angoisse des enfants, vraiment! Je veux pas d'enfant. Quel enfer. En tout cas ça va niveau vie, je suis bien? Non. Alors que j'en gagne. Ouais, une immunité au poison. Ah, ça pourrait être utile dans certaines circonstances, hein. Ça arrive, hein. Oh bah, c'est tout bénef, ça. Tout bénef, cette voix. Bien joué, ça. Bien joué, gros con. Ah, je déteste tellement cette attaque spéciale. Elle est nulle à chier. Elle sert à rien, personne ne l'aime. Voilà, ça fait des dégâts à personne, ça. Les dégâts quand il marche dessus, ça sert à rien. Ça fait pas du tout mal. Ça chie les bulles. Bon, ok, si je vise bien, ça fait mal quand même. Mais bon. Faut avoir envie de viser, hein. Juste de mauvaise foi. Échec de la quête. De quelle quête? Ah oui, je devais tuer un mec. Oh la chatte qu'il a eu, j'ai oublié que je devais le tuer. Oh là là, Drouge. Oh là là. Oh là là. Oh ça pue la dôme ça. On est dans la. Oh là là. Oh l'état du culte quand je vais revenir les gars. Oh l'état du culte. Alors qu'est-ce que tu me proposes? La tenue peut-être confectionnée à l'atelier de couture. Oh elle est sympa cette veste distinguée là. Oh, ce sera une très belle veste pour votre enfant, Alan et Tommy. Ça se passe bien, hein. Allez. On va finir la musique. Oh, c'est bien, ça m'a redonné de la vie. Merci, mec. Merci infiniment. Exhumer le corps. Comment ça, exhumer le corps? Pourquoi faire? Mais le corps. Un vieux morceau de PQ usagé. J'ai trouvé un troupeau. Je m'en suis occupé. Dites au vert que la chasse continue. Ok, du lore. Un petit peu de lore encore. Je revérifie qu'il n'y a pas un truc caché hein, cette fois. Ok. Gros lore de fou, en tout cas j'ai trouvé un troupeau. Voilà, on pète tout. Bon, j'ai regagné ma vie, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que j'ai perdu mon culte. Ça c'est... Je veux revenir, il n'y aura plus personne, mais c'est pas grave. Tout ça parce que j'ai pas dit gougouzigouzigizigi à un enfant et que j'ai pas tué un mec. Ça tient un peu de choses hein, parfois. 10 de ferveur lorsque vous subissez des dégâts. Oh, super. Ouais, tiens. Oh, la carte nulle, Ayash. Même ultra rare diamant, tout ce que vous voulez, c'est à chier, ça. Hein. Putain, je suis trop concentré, là. Je me suis trop habitué au luxe des armes divines, là. Fallait pas que je commence par ça. C'était un piège du jeu. C'est un piège du jeu pour me faire croire que le jeu était simple. Et quand je pense que je vais peut-être devoir faire un let's play difficile. Un adepte âgé est mort d'une cause naturelle. Oh ça va. C'est Soa. Bisous Soa bien sûr. Je pense que là tout le monde va être ravi au culte. Tout le monde va être grave content quand je vais rentrer à la maison. Ça va manger une petite soupe de champignons, moi je vous le dis. Hein. Mais gros, mais comment il me touche? Putain, je suis vraiment chier là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe là, mais... Mais gros... Mais c'est trop... C'est... Je me prends trop de balles. Je me prends trop de balles, je comprends pas.
J'avais dit trop de balles et pas trop. Oh, j'ai encore quasiment toute ma life, ce qui est étonnant, mais... Vision 2. On se souvient du 1, d'ailleurs. J'ai quoi? D'accord. Ah, ok, d'accord. Oh, bah, c'est sympa, ça. C'est bien, ça. J'ai grave eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais gros, tu laisses... Je n'ai pas le temps d'attaquer. Bon, en fait, si, ça va. En fait, c'est ok. Pierre, citrouille. Pépite d'or, citrouille. Citrouille. Bon, j'étais vraiment nul à chier, là. On est tous d'accord là-dessus, non? Et... Y a un consensus. Sauf que j'étais à chier. Oh. Voilà, ça va bien se passer quand je vais rentrer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, là. Ça va bien se passer. Personne ne va être énervé. Oh là là, putain. Ouais, bah, attendez. Faut que je rentre... Faut que je rentre assuré. Je vais vous casser la gueule, les gars. Oh là là, le chat Twitch décide de votre destin, c'est comme si c'était le moment. Qu'est-ce qu'il y a, Desperlico? Bah c'est austère, les bibibi, oui, bah oui, je m'envers des décorations. Qu'est-ce qu'il veut, là, Drou Jean-Claude? Ouais, alors toi? Toi, tu vas faire une petite visite aux toilettes, je te le dis, hein. Eh bah ouais! Non, mais je veux bien paraître gentil quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Califéry? La fois que nous vous portons, on n'a jamais été aussi basse. Vous devez restaurer deux trois fois, nous n'aurons pas d'autre choix que de vous abandonner. Gardez à l'esprit que sans votre culte, vous n'êtes rien. Quoi? Califéry, attention, t'as la même gueule que Godfroy, à tout moment, je te jette dans une porte aussi. Hein. Quoi? D'accord, je suis tellement énervé que je fais revenir les morts. Bravo à vous, un choix judicieux. On n'est pas du tout trop ici. Putain. Ouais, je serai plus fort, bravo. Bon, Alan, va dormir, je t'en supplie. Je sais pas pourquoi le jeu me dit pour l'estimation. Booksy, cadeau, démoniaque. Son niveau démoniaque sera augmenté, quoi? Ah mais, ouais, mais t'es déjà au max, Booksy. Puis non, tiens. Rien. Va dormir, je t'en supplie. Ok. On va procéder. Voilà. Aller boire, les alcooliques, là. Et Teia Panda, mais tu es au bout de ta vie? Tu ne vas pas dormir. Il est où le Gougougigac? Voilà, viens le Gougougigac. Ça va aller, Gougougaga. À la tronche. Bravo, Gougougagac. J'aurais dû l'appeler comme ça. Pourquoi je me fais ça, putain? D'ailleurs... Genre juste avoir le lit peut-être. Non bah je vais te faire enculer. Ah ce jeu il est bien fait des fois mais... Non, mais gros ils se battent pendant la nuit. Arrêtez. Ça suffit les conneries. Comment ça me faire chier là? Oh. C'est pas parce que vous êtes insatisfait que vous avez le droit de faire n'importe quoi. Toi tu vas dormir, m'en bats les couilles. Je suis pas content. De toute façon, hey, t'es pas contente? Et Taïa, je vais te dire, au bout d'un moment, vous pouvez ne pas être content mille fois, mais vous êtes déjà pas content. Non. Vous êtes déjà pas content. Donc à partir de là, voilà. Un poste de nettoyage. Faut que quelqu'un nettoie votre merde, parce qu'apparemment, ça vous dérange de chier par terre. Vous pouvez faire des toilettes d'eau aussi, c'est pas mal. Y'a trop de trucs. Quoi encore? Non mais Youps, tu t'y mets aussi maintenant, ouais, ça suffit les conneries. Vous savez quoi? Et allez dormir tous. Tu vas dormir. Et toi aussi tu vas dormir, voilà, vous êtes pas content, j'en ai rien à foutre. C'est mieux, va dormir, pas content. Et toi là, tu te prends pour qui? Suffit, hein. Pas à moi. Ça les attire toutes.
Ils sont toutes attirées par un truc. Certainement parce que j'avais mis un caca spécial dedans. Je vais en mettre d'autres. Bon, j'attends qu'il fasse jour et puis après, petit lavage de cerveau. Petit discours. On va quand même accueillir notre nouveau. Vous avez pas l'air très content. Ça va aller, les gars. Allez, petit tirage au sort, les gars. C'est parti. Ça vous fera plaisir. On y croit, ça va être Axel, bien sûr. Si vous voulez vous retirer du tirage en cours pour que Axel Simili rejoigne notre culte, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé. Vraiment, hein, vous pouvez être d'énormes égoïstes insensibles à la générosité de Alex. De Axel, pardon. J'ai dit Alex, alors je... C'est parti. Vous êtes des monstres. Blazor, tu es un monstre. Je rigole, bien sûr. Je rigole, tout va bien. Bienvenue. Bienvenue à toi, Blazor. Désolé, Axel. C'est Axel. Putain. Je suis un monstre. Un bison. J'espère qu'il est futé, celui-ci. Il est rose, déjà. Il est rose. Un bison rose. Oh, la chautron. Allez. Tu le feras. Il est où, lui? Alors, hé, Gougou, hé. Alors, Thomas Louviciel. Quand est-ce que tu grandis un peu, là? Ah, ça... Ça va vite, cette histoire. Il va être pourri gâté. Voilà, tout le monde est heureux maintenant. Là. Ça a regagné là, un petit peu en foi. Non, je me trompe peut-être. On rend pas compte. C'est quand même l'avantage des bébés, c'est que ça grandit. La foi grandit le fou. Oh, la tronche de certains là. Mais du coup, ça donne pas énormément envie de faire des bébés dans le jeu, quoi. Allez, travail et prière. On va célébrer le travail et l'amour. Tous les membres, les adeptes génèrent de la dévotion 15% plus vite, ou alors inspire un adepte. Oh, pour éviter de vous engueuler et de vous traumatiser un peu. Voilà, maintenant le respect vous l'avez acquis. Il est temps pour moi de vous inspirer. Il est temps pour moi de vous inspirer. Bravo à toutes et à tous. Voilà, la foi grandit. Votre foi grandit. Et elle est pas prête de s'arrêter de grandir. On a combien d'os? 218, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit banquet. Si je vous avoue, ça me fait chier, moi, mais bon, c'est pas mon problème. Fais un petit banquet. Donc non, ouais, c'est bon, ouais. Il y en a qui se rebellent, il y en a qui me volent de l'argent, il y en a qui... Trop de trucs à gérer, là. C'est quoi, je suis désolé, je suis en burn-out, les gars. Trop de trucs à gérer, bourrez-vous la gueule. Je vais vous donner l'alcool, je vais vous donner les champignons, vous allez vous foutre à poil. Ça va aller, c'est bon. Pas s'emmerder avec l'amour, le respect et toutes ces conneries, c'est bon. Vous allez vous démerder, on va faire du tam-tam. Vous faites du tam-tam avec qui vous voulez. Pas s'emmerder. Non mais les gars, je suis en burn-out. Je suis en burn-out, trop de choses à gérer dans ce culte, vous rendez pas compte. Trop de choses, gars. Blazor, tiens, bah Blazor, à peine arrivé. Ça tape sur des bambous et c'est numéro 1. Tiens, pendant qu'il y en a qui dansent une belle flaque de vomi. Pam, 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 pam,
Voilà, easy. Ça vient à peine d'arriver que ça fait, ça fait déjà du... Ça fait déjà des trucs bizarres. Vous aimez bien à chaque fois qu'il y a un nouveau faire ça. Oh, arrête d'avoir peur maintenant, c'est bon. Plus besoin d'avoir peur, c'est bon. Ça va les gars? T'es pas bourré, hein? Voilà, petite danse ensemble. Ça va aller, Steamer Glow. Peut-être nettoyer cette petite tâche. Bon, Tommy! Enfin, Thoman. Bon alors. Alors, attention, j'aime ma famille, j'aime mon cul, j'adore mon guide. Bon, ça. Eh. Ça a l'air. Ça a l'air solide, ça. Thoman l'officiel est l'enfant de Tommy JL plus Alan Lovell. C'est une belle histoire. Il commence à marcher sur ses deux pattes, là. Bientôt, bientôt, il sera capable de travailler dans les mines. On va vite l'envoyer, hein. On va vite l'envoyer dans la mine, hein. Et après tout, ne dit-on pas qu'ils sont mineurs à cet âge-là? Bon, c'est pas pour rien, je pense. Il travaillera avec Alan, sa mère, ou son père, on sait pas, l'un des deux. Son parent, quoi. Pouille. Tiens, Kelly, tu es heureuse? Je sais pas ce que j'ai fait pour toi, mais je l'ai fait en tout cas. Je vais faire des échos, sinon je vais encore me faire engueuler. Bon, après, là, on est à un stade. C'est plus très sympa. Oh oui, poste de nettoyage, par pitié. Petit poste de nettoyage, on va le mettre pas loin des toilettes pour des raisons assez évidentes. On va le mettre juste à côté de la morgue. C'est ambiance. Et puis les temps, surtout. Mine de rien. De faire une nouvelle buvette. Une plus grande buvette, histoire de vraiment profiter un petit peu de cet espace. Le poisson. Oh, ça régale. Oh, ça régale. Youbs, niveau 10 imminent. Ou alors, attendez, on va faire venir plus de gens niveau 3 et 4. Pour plus de... plus de dénouement tragique. Pour certains d'entre vous. Oh, j'ai pas envie de choisir. Seulement, je pouvais faire aléatoire. Tatoman, non. Déjà si jeune. Et les gens, ils sont tranquilles, hein. Ils gagnent jamais de niveau. Allez, Blazor. Attention à d'arriver. Yaichalamoda. Peut-être niveau 10, il devient adulte. Ah putain, ce serait drôle, ça. Bah non, sinon il resterait bébé toute sa vie si on lui donne pas l'attention. Est-ce qu'il n'y a pas de sens pour autant? Est-ce qu'il y a donc Jean-Claude, c'est bon? C'est pas grave. Tu crois que tu vas rester juste une journée parce que t'es stage? Eh oh, t'as fait le con, hein, au bout d'un moment. Bravo! Eh... Ah, il vient de lui raqueter de la thune, merci Tommy. Donne. Bravo! Ça, c'est bien joué, ça. Voilà, Tommy qui... Bon, il fout la merde, mais il fait bien son travail, hein, quand même. Allez, c'est pas tout. Oh là, oh là, oh, les embrouilles qui arrivent. Oh, les embrouilles. Allez, petite dégustation. Petite dégustation de humble, là. Ça va se régaler. C'est quoi, ça? Je peux en faire plusieurs, là, ça? On m'avait pas dit que je pouvais en faire plusieurs, là, ce qu'on aurait. Oh. Bah, je vais en faire un autre. Ah, ça va, c'est bien. C'est bien, ça fait une jolie déco, je trouve. Ça fait une jolie déco, dans la Mardeux. Oh là, c'est vraiment pas une voix d'adulte, ça. Hein. Enfin, pas une voix d'enfant, plutôt. Vous êtes quand même très nombreux à manger, hein. Entre nous, là. Bon. Chiottes niveau 2, elles sont où? Ah, parce que bon, c'est bon, ça suffit de chier par terre tout le temps, là. Elles sont où, chiottes niveau 2? J'ai plus de chiottes. Ah, bordel de merde. Toilette. Ah, mais je les ai déjà faites? On dirait pas, hein. Je les ai peut-être déjà faites, mais pas construites. Ah.
C'était ça le secret. C'était ça le secret. Ils laveront également les toilettes. Ah bah voilà. Suffisait de le dire. Suffisait de proposer. Je crée de l'emploi, moi. On est là pour créer de l'emploi, bordel. Eh bah j'en ai pas fait pour rien, le Célingo d'or. Ah, j'en ai déjà plus. Enfin, Jean. Moi, j'ai été chercher la matière première, vous la transformez. Ouais, grâce à votre travail, j'ai créé du travail. Plus de travail pour tout le monde, plus de bonheur, finalement. C'est ça aussi le comitalisme. Fais dormir Etaya. Bah non. Pourquoi faire, hein. Qui est fatigué? Et où est Etaya? Ah oui, Etaya. Bon alors, on va pas dormir? Faut dormir, Etaya. Bah oui. Thomas, tu vas aller boire un petit coup de binouze? Voilà, Etaya, c'est bien. Bien joué. Ambiance, putain, mais il y a deux vieux. Jean-Luc et Onisai. C'est combat de vieux, là. C'est combat de vieux, hein. Bon, ça sert à rien. Vous allez pas en profiter, vous êtes sous cocaïne. Encore de la merde. Oh, ils nettoient pour de vrai, for real. Ils font vraiment leur travail. Oh, ça, c'est énorme. Ouais, des citrouilles. Des citrouilles, ce serait Halloween. Thème Halloween pour le jardin. Bon bah c'est top. C'est bon là. Mais vous avez faim. Les gars. Vous en demandez des choses quand même, je trouve. Hein. Plat de légumes ou plat de viande. Ah ouais, 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 ouais. Allez. Je vous mets de l'excellence et... un gros d'herbe. Parce qu'il faut pas rigoler. Voilà, 24, c'est pas mal. C'est bon là? Allez, qui va boire? Celui-là. Celui-là, il sera pour... Allez. Aurevled, qui va noyer son chagrin et sa peur. Ensuite... le barman, là, qui vient de faire sa boisson. Faut peut-être lui en donner, aussi. Bakarisu, c'est lui qui vient de faire les boissons. Et puis on va faire... est-ce qu'on peut... non, attendez, il faut savoir un truc. Cet adepte est un enfant. Non, on peut pas. Il est vieux. Cet adepte est âgé. Les vieux peuvent pas boire. Ah, c'est pour ça que ça a bugué la dernière fois. Les vieux ne peuvent pas boire. Bon, alors, je peux vous dire qu'en France, ça s'embête pas pour boire, à peu importe l'âge, hein. C'est même plutôt un critère pour boire. Plutôt un critère chez nous. Alan. Bon, la santé de ton enfant, bien sûr. Avec Tommy Giel. Si ton tête Tommy Giel est encore en vie. Et enfin... Oven Lover, tiens. Il en reste un dernier. Vous votez pour le... votez pour la personne qui se bourra la gueule avec ses 5 compères. Vous avez des choix primordiaux pour le culte, hein, vous rendez pas compte. Allez, hein. Etaya Panda! Allez, c'est l'heure! C'est l'heure de boire! Oh, mais Tommy Gilles, il va se battre encore. Bah alors, ça chie par terre encore. Alors? Ça va, les gars? Ah. Tommy Gilles qui va encore... Tommy Gilles, attends, viens. Viens, pendant que t'es bourré, viens loin. J'accroche, je vous aime. Super. Viens, Tommy Gilles, va loin des gens. Loin des gens pendant que t'es bourré. Voilà. Tu te battras pas comme ça. Merci pour ça, Tommy. Le péché, il est trop grand. Oh non. Oh non, Tommy. Mais non, mais le niveau, Tommy. Eh bah, ça germe, hein. Ça gère vous ici, hein. Putain, mais tout le monde est heureux. Eh, ça veut dire que je me suis bien occupé de vous. Ça me fait plaisir. Je vous ai mis à l'aise. Un petit peu trop, là. Vous êtes un peu trop à l'aise, les gars.
Peut-être un petit peu trop à l'aise actuellement. Faut se calmer là maintenant. Il m'en faut plus. Plus d'or. Par pitié. Ça fait beaucoup là. Bah, c'est vrai que ça fait beaucoup. Après, bon, on est quand même content. Hein. Oh, Blaise, voilà. C'est bien. C'est bien, vous gagnez des niveaux. Tous des niveaux, vous gagnez des niveaux, c'est bien. Ça sera utile, ça. Pas qu'à tuer même sous bord. Non, les gars, pourquoi c'est ça? Auto connerie. Ton Reblade, il a vomi, il a chier, bah, super. Ça rigole pas ici, hein. Vous êtes au courant qu'il faut aller dormir, là? Ils s'en battent les couilles. Ah, Booksy, Booksy est bloqué. Ça va aller, Booksy, ça va aller. Thomas, je t'ai bien fait googler aujourd'hui, hein, c'est bien. Oh oui. C'est bientôt la fin de la nuit, je vais attendre du coup. Mais attendez, je peux peut-être aller dormir avec vous. Allez. Voilà. Encore une belle journée. Le chat tweet décide encore. J'ai pas marre de décider. Mais Alan, mais pourquoi tu dors pas avec ton... Pourquoi tu dors pas... Ah mais non mais... Il est parti. Bah tu dors moins avec ton enfant. En pitié. Ouh. Allez. On collecte les impôts. Oh là là, tant de dons. Tant de donations. Bon allez, c'est bon, Drogue Jean-Claude, tu peux partir. Ça fait 2 jours. Bravo à toi. C'est parti. On va aller collecter tout ça, là. Tommy qui aime se battre, mais surtout avec Luna, j'ai l'impression. Ah, ça, c'est à cause du péché. C'est le pêcheur original, Tommy. Fait que ça, pêcher tout le temps. OMG, on a un nouveau disciple. Ça y est. C'est officiel. Nouveau disciple. Youbs, félicitations. Ton travail acharné de nuit, tes résurrections, tout ça, ça aura payé. Tous tes combats avec Tommy JL. Tout ça, ça paye. Enfin, des résultats. Allez, nouvelle doctrine pendant qu'on y est, on se fait plaisir. Ce plaisir, maintien de l'ordre, allez. Rituel nuptial, débloque rituel permettant de dépousser un autre âme jamais de la vie. Sacrifier à effectuer dans le temple l'ascension de son âme. Aucun des deux ne m'intéresse, mais... Alors, le rituel nuptial plutôt croé. Hors de question qu'il y ait un mariage avec un viewer. Ça, c'est non. Pas de relation parasociale ici. Encore moins sur le mariage. Pitié. Ah, du coup, c'est bon là. Alors, on est bien là. Allez. Tous les lits ont été détruits. Comment ça, tous les lits? Vous pouvez détruire les lits là? Putain, les gars, vous avez détruit tous les lits, what the fuck? Oh, trop chiant! C'est trop bien comme choix ça. Détruire les lits, il n'y en a plus qu'un seul destructible. T'es encore bourré, Pacarissu? Il est encore bourré, lui. Ça fait à manger ici? Ok, très bien. Je pars à l'aventure, à nouveau. Bah, ah, mais t'étais... Ah oui, il était caché là, lui. Allez, Google Gak à toi, Thomas. Bravo pour ton niveau 7. Qu'est-ce qu'il y a, Itaya? T'es encore bourré, Itaya? Avant, vous fichiez les pétages, mais en fait, c'est super cool. Mais comment t'es encore bourré, toi? Parce que t'as pas dormi. Et comme t'as pas dormi, t'as pas décuvé. Putain. Oh là là, oh les idées de merde. C'est-à-dire que Théa va être bourré pendant un an? Alors, qui est au bord d'être au niveau 6? Ou 5, ou 4, hein, même. Hein. Oh, Nekonawa, c'est pas loin. Hein.
est quand même vieux un peu, alors qu'au Reblad. 40. Au Reblad, ça peut vivre encore longtemps. Putain, mais il y a beaucoup de vieux là. Il y a vraiment beaucoup de vieux dans le cul, il faudrait peut-être, peut-être faire un truc pour ça. Frédéric, il parle à qui là? Arrêtez, hein. Alors. Et notre ami Youbs, du coup. Il faisait quoi déjà, Youbs? Un projectile. Ah bah alors, un projectile niveau 10. On y va, hein, avec sa grande trompe. Hop. Bah, toujours les mêmes, hein. J'ai envie de dire, vous êtes pas des disciples pour rien. Marie-toi avec notre enfant, c'est un viewer, plutôt crevé. Plutôt crevé. Vous venez de me demander le truc le plus horrible possible. Plutôt crevé. Allez, hein. Putain, c'est bien, vous nettoyez les toilettes maintenant, bravo. C'est dingue de dire bravo à ça, mais... T'es encore chez Porter, toi. Je nettoie encore une fois, mais c'est pour te faire plaisir. Vous pensez avoir terminé votre travail? Désolé de vous annoncer que... Non. Vous allez m'en faire encore. Ah, j'ai plus d'argent du tout. Où est le collecteur des impôts quand on a besoin? Allez, on continue. Oh, le purgatoire, un peu la flamme, mais en même temps... En même temps, on en a besoin quand même. On a quand même besoin du purgatoire. Allez. Quand même besoin des larmes pour avancer. Là ça va, c'est juste des combats de boss, ça va aller vite. Voilà. Alors, marteau impitoyable, choc de la couronne ou tu veux serpentor? Moi, choc de la couronne. Le marteau, ça m'intéressait pas trop de fou. Allez, boss. Il est relou, oui, c'est vrai. Ah d'accord. Hop, pas le temps. No time for that. Hache nécromantique, niveau 23, c'est quand même pas dégueu. 2 secondes d'invincibilité, c'est encore mieux. Et ça, no rythme dit aléatoire. Putain, Windows Update, je vais t'enculer, gros. Putain. Et si je restais allumé pendant une heure? On y va! Allez, encore deux boss. Ça va, ça c'est assez rapide. Oh la gueule! Attends, ils sont en double? Merci pour le boisson! Un œil qui gravite et reproduit vos maléfices. Marteau nécro ou bourrasque mortel? Je vais partir sur l'œil. C'est fort l'œil. C'est très fort. Si ça me rendait invincible, ce serait magnifique. Fuck alors! Oh, ça me rend invincible? Oh là là. Easy. Easy peasy. Ça rapporte, hein. La vache. Ça rapporte et c'est rapide en plus. Ça qui est bien. En plus, ça entraîne contre les boss. C'est tout bénef. Je trouve que le marteau, c'est la pire des armes. Ah, ça dépend de ce que t'aimes dans la vie, mais le marteau, c'est pas si horrible que ça. Hein. C'est juste. C'est juste que c'est un peu lent, certes, mais alors ça fait des dégâts. Ce qui est intéressant avec le marteau, c'est qu'au moins contre les petits ennemis, tu fais un coup de marteau.
Et c'est terminé. Ah, j'ai eu un bonus de 50%, let's go. Tu tapes un ennemi avec le marteau, il est mort. T'as juste à être précis dans ton coup et puis c'est gagné. Allez. Et si t'arrives à avoir le x1,5 là de vitesse, oh là là. Le marteau c'est un plaisir. Oh là, Gangodi, un peu nul. Pas dingo comme start, mais on fera avec. Ça m'accommodera. Ah, salut mec. Il a tout pris lui hein. Oui, Tommy Gell, on connaît la chanson, pas la peine de nous la redire à chaque fois hein. Voilà. Pas la peine de nous chanter la même chanson à chaque fois, on la connaît par cœur. Bloup bloup. Hop là. J'utilise mes armes, hein. Elles sont là, je vais clairement les utiliser. Cette fois-ci, je fais un peu plus attention à ce que je fais. Utile, on attend 3 tirs d'affilée. Un tir. Attaque. Voilà. Petite carte là. Alors qu'est-ce dingue. Deux cœurs ou... Oh bah deux cœurs. Hein. Deux cœurs ou un seul cœur. Choix de fou. Vous préférez quoi, 10 euros ou 20 euros? Vous préférez 500 millions ou 1 billion? Moi, je dis 500 millions parce que 500 c'est plus grand que 1. Jean-Luc est vieux et nous a quittés d'ailleurs. Hein. Un peu trop vieux du coup. Un peu abusé sur la vieillesse Jean-Luc. On lui avait dit. On lui avait dit de pas être vieux. Et pourtant, il l'a fait quand même. La morgue est pleine. Comment ça la morgue est pleine? Bon. Eh, plus on est fou, plus on rit, non? Vous avez qu'à rire encore. Ah non, pas le poison, hein. Pas encore. Plus jamais. Oh, les pépites. Aïe, ah, pépito. Nice. Wouah, un étang paisible. Pas mon rêve d'avoir un étang dans mon salon, là. Un peu bizarre comme salon, quand même. Alors, bon, c'est plutôt pas mal, hein, cette route. Allez. On commence à être très nombreux. Mais après, il y a des gens qui meurent de yes, donc ça va. Oh bah oui, hein, l'œil de la chie, on aime. Hein. On aime toujours l'œil de la chiasse. Voilà. Hop là. Hop là. Ça, c'est beau, ça. On y go. Alors, des pièces. 15 pièces. Ah ouais. Si c'est pour proposer ça, autant fermer la boutique, hein, Forneus. Oh, le deal. Deal offer. Un bonbon ou un Mars? Putain. Eh gros, je sors pas de classe, moi. Hein. Regarde, frère, j'ai trouvé ça gratos. Bah tiens, pour la peine, je prends l'argent. Non, mais c'est quoi, ça? Propose rien. À la limite, juste donne l'argent direct. Hein. Ok. Et quête. Mais qu'est-ce qu'est quête, hein, finalement? J'en ai plus rien à foutre. Allez, ça dégage. C'est plutôt puissant là. Les deux petites boules autour de nous, ça fait des bons dégâts. Hein. Ça rigole pas. Ça interrompt les ennemis dans leurs attaques et ça, c'est magnifique. Tout ce qu'on attend.
je vole la dévotion. J'ai le droit. J'ai le droit. Je demandais. Oh, casse tes couilles celui-là. Allez. Oui, oui, terminé. T'es encore en vif ? Chiant ça. Putain, bien sûr, sur la dernière frame où j'allais le buter, il a lancé sa merde. Bravo Tommy. Non, pas bravo. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, c'est du harcèlement là, à ce stade. Voilà. Allez, rends. Rends l'argent. Et reviens dans l'occulte. Tout ce qu'on te demande. Cheval clonec maudit. Bon, oui, hein. Ouais, c'est pas très fort, mais... C'est pas grave. On prend. Donc Jean-Claude a atteint la vieillesse déjà. Putain, on venait de le sortir de prison, quoi. Il a pas eu le temps de profiter de la vie. Voilà ce qui se passe quand vous faites les cons. Vous allez en prison et vous avez pas le temps de profiter. Fallait pas aller en prison, donc Jean-Claude. Hein. Bon, c'est bien, ça fait de la place pour la nouvelle génération qui arrive, là. Hein. Voilà. Oh, ça fait des dégâts de baiser, hein. Faut pas le dire que ça fait autant de dégâts sinon tout le monde l'utilisait, ça. Hein. Allez. Nouvelle arme, peut-être meilleure. Oh, rien du tout. Rien, mon frérot. Tir de feu ou tir de feu? Allez, tir de feu. Hein. J'ai pas pris la meilleure option, je pense, mais bon, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Bon, j'y vais, hein. C'est bon, j'ai pas le temps. Oula, la gueule de Zébardi. Oh non, on préférait le 1. Hein. Ah oui, je préférais vraiment le 1. Ah, top ça. Il est où? Ah, tu bouges beaucoup, mec. C'est pas grave. C'est fini? Ah oui. Finish! Finish! Pépite d'or, 46 citrouilles ou des couilles dans un paquet. Toujours attiré par l'or. Des os. C'est parce que Tommy Giel n'a pas collecté l'impôt. Pendant quelques temps, donc il a fallu que j'aille les chercher moi-même. Allez. Retour à la ZAB. Retour aux EB. Quelle heure là? 19h30, ok. Pas tarder à faire une petite pause. Je dois vous admettre, je suis un petit peu fatigué là en ce moment. J'ai vraiment pas eu énormément de temps pour rattraper la maladie. Ok, mais vous votez dès que je rentre ici ou vous savez? Vous me laissez vivre un peu? Oh, oh là là, oh j'ai l'impression que quelqu'un va avoir son bac. J'ai passé une si belle enfance dans cette communauté toute si belle, je me dévoue maintenant à vous. Ah, quelqu'un peut devenir l'enfant d'Alan et... oh là là. Oh, est-ce que Axel est là? Oh là là, oh pitié. J'en demande à votre bon cœur. Laissez Axel devenir l'enfant du chat. Il le mérite. Axel le mérite. Par pitié, laissez juste Axel. Vous avez quand même le droit de venir, vous inquiétez pas, je ne serai pas un monstre si ce n'est pas Axel. Bravo Axel. J'ai pas laissé beaucoup de temps, je me suis dit Axel devait être au taquet. Bravo Axel et bravo à ceux qui ont laissé leur place à Axel. Vous inquiétez pas, il y a un autre habitant qui arrive. Qui va arriver. Mais Axel, il méritait une place, il faut l'admettre. C'est beau ce que vous avez fait. Du coup, il change son apparence. Il refuse d'être dégueulasse. Ça se comprend. Bravo Axel, tu l'as mérité. Allez, tac. Et Axel, comme on dit, il n'y a pas de traitement de faveur qui se fait à moitié.
fait un cadeau. Tu seras... Tu vivras longtemps, Axel. Tu vivras longtemps. On a besoin que tu vives longtemps. Yubs qui danse un peu à contre-cœur, là. Ça se sent. Yubs, tu peux aller dormir, Yubs. T'inquiète. Les autres sont-ils allés dormir? Vous êtes allés dormir, les autres, ou pas? Ils sont où? Ils sont où, les autres qui ont envie de dodo? Booksy. Booksy. Booksy, fais dormir, je t'en supplie. Et Alan. Où est Alan? Alan, en général, il travaille, mais là, il est pas là. Qu'est-ce qu'il fout, Alan? Je suis aveugle? Ah, il m'a aveugle. C'est d'ailleurs là, la morgue, là. Soit Fanny au bon. Et au pire. Et au pire. Ah bah. Bon, petit cognac qui traînait. Vous avez pillé un cadavre. C'est juste une information, ça gêne personne. C'est juste une info qu'on donne. Hop là, Jean-Luc. Bah, Jean-Luc. Allez, j'ai un petit kebab. J'ai une petite branche à kebab. Merci beaucoup. Axel Semini qui offre encore un petit abonnement. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup. Soa. T'avais un objet, toi, non? Ah non, dommage. Allez. Bon, quand même. Un peu les animaux. Ok. Ah bah Alan, moi qui te cherchais. Va dormir, je t'en supplie. Wow. Et qu'il continue. BMG. Laisse-en pour les autres. Merci beaucoup encore, Axel. Des gros bisous. Augmente la vitesse des croissances, apporter tout genre, une petite quantité de... Et pour un taille piégeur, putain, mais ça fait 1 million d'années que je vais faire ça pour faire de la viande. Ça fait de la viande, cette saloperie. Allez, et on accueille les nouveaux. Enfin, la nouveau. C'est parti. Cette fois-ci, vous avez le droit de participer. Ah bah... Putain, vous êtes vraiment retenu pour certains, c'est beau, hein. C'est beau ce que vous avez fait, franchement. Ça attire le respect. Troisième cristal. Oh, troisième cristal. Qui attend depuis longtemps aussi, hein. Troisième cristal. C'est beau. C'est beau, cette histoire. C'est beau. Bienvenue, bien sûr, dans ce culte. Tu vivras heureux, mais pas longtemps. Généralement, c'est ce qui se passe. Sauf qu'on... Sauf pour quelques rares. Calmez-vous. Merci beaucoup, Axel, qui offre encore ça. On est à 5 OMG les 111. Oh, s'il vous plaît. Oh, tiens, tu nettoies, attends. OMG, c'est qui, ça? C'est à qui, ça? Vous en priez pitié. Attendez. Ah non, on peut pas changer son apparence non plus, là, finalement. Eh, on peut vraiment jamais rien faire. Jamais aucun... Aucun plaisir. Tu seras Warman, non. Tu fais ce que tu veux, Tommy. Tommy, qu'est-ce que tu fais, Tommy? Qu'est-ce qu'il y a, Tommy? Tu veux encore te battre? Pourquoi il veut se battre avec Booksy? Mais nique ta mère! Il vient de revenir! Il vient de revenir et il veut déjà se taper avec Booksy qui est en train de dormir! Ah non. Tu viens de réveiller Booksy pendant qu'elle dormait pour lui demander de l'argent? Mais j'adore l'argent, d'accord. On s'entend bien. Mais tu vas te calmer! T'arrêtes les conneries, oui? Je te tue. On a dit attention. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh, vite, Steamer. C'est qui? Mais non, mais je veux pas vous parler! C'est Onisai. Oh non, Onisai. Est-ce que vous pouvez me laisser, genre, prendre la dépouille de Horis? Je ne peux pas, j'ai pas le droit. Littéralement, vraiment. Ça m'est interdit. Bah, je m'en vais.
Je vous laisse avec sa dépouille, tranquille. Je vous laisse devant, sa dépouille, les gars. Parce que ça vous fait plaisir. Moi, je vais voir un pote à moi qui me donne des conseils sur comment arracher le cerveau de quelqu'un. Mec. Ça mec. Bon, il dort un peu. Il dort vite à fait. Bon, merci pour la défaut, mec. On va laisser dormir. C'est courant, les chiens étaient tués. Je l'ai jamais aimé de toute façon. C'est tout ce qui n'importe, il a perdu la raison. De quoi vous parlez, les gars? Il dort là, il a pas perdu raison, il dort. Bon, ouais, il va faire dodo. Hein. Faire un petit dodo. Bizarre, ce mec. Bon, le corps il est à la morgue, c'est bon, je peux m'en occuper? Oh non, vous avez eu la flemme de le foutre à la morgue en plus. Ah. On y savait rien. Allez, ça y est. On va te mettre dans un petit endroit sympa, tu verras. C'est top, voilà, on t'emmène. Bon, les prochains finiront découpés, hein, je vous le dis. Hop là. C'est qui les autres vieux là? On a qui en vieux? Qui est encore vieux ici? Alors, Califéry vieux. À Califéry, il faut que j'attende une mort. Faut que j'attende une mort naturelle pour reprendre le petit médaillon. Quand même, ce serait dommage. Ce serait dommage de ne pas en profiter. D'ailleurs. Non, mais non, tout va bien pour l'instant. Putain, mais c'est la dévotion ne s'arrête jamais ici. Des malades. Voilà. On est bien, niveau niveau ressources, on est mieux. De l'or, faut que j'en refasse. Oh, putain, mais j'ai plus l'argent, hein. I got no money. Je vais créer de la ressource. Transformer mon or en argent. Pourquoi? Ah bah oui, je vais faire cet étang, je pense. On en a vraiment besoin. On a vraiment besoin d'un étang, là. Ils ont pas abusé de dire que là, on n'a pas le droit de faire une déco, genre... Qu'est-ce qui empêche? Faire un petit étang. Ah, l'étang, on peut le mettre. Petit endroit champêtre, un étang. Voilà, un petit. Un petit coin détente après avoir. Après avoir travaillé dans les. C'est bien, c'est la salle de bain, c'est pour vous laver. Donc il m'a vraiment fait chier pour ça, lui? Ah non. Y'a quoi d'autre d'intéressant? Ah bah oui, c'est important ça. Si t'as de foin, il faut que je le fasse adorer. Ah mais c'est con, mais c'est parce que j'ai une quête. J'ai oublié, j'ai une quête pour faire des décorations. Alors oui, c'est important quand même. Putain, le jeu m'a indiqué. Il fait que je fasse un truc. Alors, statue de la mer, on l'a jamais compris. Statue de la mer, jamais compris, c'est quoi ça? Je sais pas d'où ça vient. J'ai pas envie d'avoir ça chez moi. Je sais pas quoi vous mettre de plus, moi. Commence à être quand même sacrément fourni cette. Ah, mais oui, mais bien sûr, l'arbre gardien, on l'avait pas mis ici. Oh, l'arbre gardien. L'arbre gardien qui juge les gens en prison. Non. Après, je pourrais mettre des. J'ai une idée de déco, attendez. J'ai une idée de déco, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire si vous trouvez que c'est sympa en tant que déco. C'est où ça? Où est-ce que je l'ai mis cette déco déjà? J'ai oublié où elle est la déco. Bah merde, elle est où cette déco? Est-ce que je peux plus en mettre? J'en ai mis trop? Ah putain, je suis aveugle, je voyais pas la déco, les gars. Non, mais je me disais, ça pourrait être sympa d'en remettre un là. Non? Là, pas assez, je trouve.
Ouais, t'as un badge qui dit que tu regardes le live sans son. Et oui, y'a des gens qui font ça, hein. Y'a des gens qui regardent les lives sans son et sans... Mais on peut le mettre sans que ce soit vrai, en fait. On peut mentir dessus. J'ai déjà essayé une fois. On peut mentir, littéralement. Putain, j'ai oublié de faire mon... Califéry, tu vas pas aller dormir, toi. De toute façon, tu peux pas. Califéry. Califéry. C'est la nuit. Rends le collier, Cali. Le collier. Personne n'a vu, personne n'a vu. Ah, d'ailleurs. Je vais préparer une petite. Préparer un petit truc pour le 15. C'est où là? C'est. Mais j'ai pas débloqué un seul truc pour les gens qu'on enterre? Je vais pas débloquer un seul? Ça m'est déjà arrivé car j'avais pas super envie de vraiment mater un live et ça te fait un viewer en plus pour les stats. C'est bon, je l'ai fait. Ah ouais, marrant ça. J'ai aucune idée de. Bah, j'ai pas mis un truc pour le. Bon, bah des os, tu seras collecté dans un vieux trou comme d'autres. Je n'ai plus un seul penny. Je n'ai plus un sou. Je suis sans le sou actuellement. Tout ça pour un collier. Et c'est important le collier. On va faire travailler des nouveaux. Puis au moins tu sais que là t'as une chance sur 4 d'être là. De revenir à la vie. Parce que là y'a plus personne qui travaille dans les. Ah ouais. Il va nous falloir deux nouveaux agriculteurs là. Il va falloir deux nouveaux agriculteurs. Qui va vivre longtemps ici? Qui est encore jeune là? Je répète, qui veut devenir esclave de la night? Axel Simini. Ah bah Axel. Ah bah non mais t'as déjà un collier le mage. Blazor, Blazor, ça se bat. Troisième cristal aussi, allez. Blazor et troisième cristal, vous allez avoir le droit à un petit cadeau de ma part. Blazor. Bon. Attends qu'il fasse jour parce que c'est compliqué là. Je vois pas du tout. C'est Blazor est là. Blazor, avec toi, j'ai un petit collier. Un petit cadeau pour toi, Blazor. Oh, ouais. Voilà. Bon, t'es fatigué pour si peu. Pour si peu, Blazor. De toute façon, tu peux plus être fatigué. Attends, si, tu peux être fatigué. Si je te donne un collier alors que t'es fatigué, tu vas bugger. Donc, Blazor, et j'ai dit qui? Il est où le. Il est où le petit fox là? Where is the little fox? Parce que je l'ai envoyé Ah non, c'est pas ça. Putain, j'arrive. Je vois. Ah, si, ça y est, je la vois. Prends le cristal! Petit cadeau. Petit cadeau pour toi. Et de la night. Et maintenant, du travail. À la ferme. Ah, je vais enfin pouvoir avoir des dons. J'en ai pas beaucoup là. Du bien, ça, enfin. Fimo est malade, oh. T'es d'être malade, par pitié. Oh. Merci beaucoup, coucou. Coucou à Red, qui nous arrête. Bien sûr. C'est le Général Mas, j'espère que tu vas bien. L'affichage bug régulièrement en ce moment, désolé pour ça, mais... Sache que ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à vous. Bienvenue dans le culte, OMG. Bienvenue dans mon culte. Nous sommes actuellement dans le commutalisme, un culte très important. Regardez toute cette population. Oh, ces dons, oh là là, oh ça me fait plaisir. Comment ça, je suis par terre là, comme ça? Ah mais c'est parce que c'est la fin des champis, parce que tout le monde avait pris champis, tout le monde était bourré. Ok, tout va bien finalement. Tout va bien. Attendez! C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais d'enfin prendre cette amélioration, la morgue. Mais j'en ai fait une de... Ah bah non, mais pas la morgue, la crypte, pardon. Il me dit que j'en ai jamais, mais j'en ai une, de crypte. Bienvenue à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Général Mas. Qu'est-ce que vous faisiez? À quel jeu vous jouiez? Qu'est-ce que c'était les bails?
Je vous fais visiter, hein, regardez. Regardez ces magnifiques champs dans lesquels on travaille bien, même la nuit. Dans lesquels ça travaille même la nuit. C'est bon. Bon, c'est bon, Blazor, t'as bien dormi? Allez, hein. Allez, toi. Bien dormi, Blazor, viens, viens, viens. Présent Blazor, un nouveau venu. Un nouveau venu, car ici, ça joue avec les viewers pour la première fois en France. La première fois sur ce stream, en tout cas. Blazor, je t'offre un collier. Il permettra de travailler même la nuit. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un privilège, hein. On se rend pas compte de la chance que c'est. Vous ferez tourner là-bas, vous ferez tourner la ferme, même, même pendant la nuit. Parce que au bout d'un moment, là, faut y aller, faut se donner. Tout Miguel est en train de collecter les impôts. Tralala. Du Pompé Mario. Ah bah, Pompé Mario, le classique, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que tu fais sur Paper Mario, maintenant? Qu'est-ce que tu fais après toutes ces années? Tu te lances des défis, tu fais les... Ah mais non, Pompé Mario, c'est celui qui m'a le traduit. Oh, le plagiat. Oh, ça me plagie et ça vient me voir après. Non, je rigole, bien sûr. C'est un, c'est une blague. J'espère que vous profitez bien, vous aussi, de Pompé Mario. C'était extrêmement drôle de l'autre côté quand on l'avait fait à l'époque. C'était pas, bien sûr, aller voir les VOD. Hein. Si vous voulez les d'autres points de vue, bien sûr, que celui de General Mars. Eh bien, écoutez, profitez bien de Pompé Mario. Profitez bien. J'allais dire, profitez bien de pomper Mario et mon aspirateur vient de me dire je suis ici. Mon aspirateur a envie d'aspirer Mario, visiblement. Putain, mais il y en avait de la maladie. Putain, j'ai plus de caménia, les gars. J'ai plus rien, je suis à poil. Hein. Ça, les gars? Pourquoi vous... Allô? Ouais. Moi non plus, j'ai pas compris. Hein. Alan qui va se laver, bravo à lui. Bon, vous avez vu cette partie de notre culte. Voici l'autre partie. La plus importante, j'ai envie de dire... Des toilettes bien propres devant des prisonniers qui apprennent la leçon très vite du coup grâce à cela. Ici on a le coin un peu de la teuf. Coin boisson, coin bouffe et surtout coin tam tam. Il est temps de faire un petit coup de tam tam là. Qui va faire du tam tam? Qui va taper sur des bambous et sera numéro 1? Axel. Wow, formidable, je suis excité. Jenny, calmez-vous. OMG 107, on est à 107 sur 111. Merci Axel Simili encore. Toujours, toujours lui. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez lâcher un petit sub, c'est toujours plaisir. Je vous rappelle que si on atteint les 111, on relancera plus tard également, après ce let's play quand même. On va pas en faire deux en même temps. Je ferai une run en difficile cette fois-ci, pour la première fois. J'ai jamais joué en difficile. On verra bien si ça impose plus de défis ou non. Et celui-là, je peux vous dire que ce sera difficile, mais pas que pour moi. Ce sera même plus du commutalisme, ce sera du... Ce sera carrément du tyrannisme, hein, du commuranisme. Hein. Hop là. La commutature, ce sera. Ce sera de la commutature, finalement. Je sais pas comment je vais réussir à vous entourlouper sur le nom. Pour vous faire croire que c'est quand même quelque chose de positif, mais vous inquiétez pas. Alors, qui va être niveau suivant là? Oh, c'est pas mal cette histoire là. On commence à avoir des gens mieux niveautés déjà. Allez, Eteya. Ah non, mais. Quoi que Tommy Giel, hein? Ouais. Tommy Giel au bout d'un moment. Ouais, ouais, Tomigel, ouais. Ok, Tomigel. Bravo. Bravo pour toi. J'ai cru qu'il allait me suivre et me tabasser. Très bien. Tomigel étant un peu violent, je me méfie parfois de Tomigel. Je me méfie parfois de Tomigel qui a tendance à frapper ses camarades pour des raisons parfois pas raisonnées. Mais s'il est en train de mourir de faim, bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde, regardez. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde meurt de faim? Déjà, je leur dis bien joué à tous. Oh là là, on commence à avoir tellement trop de monde. Heureusement qu'il y a des vieux qui meurent, hein, quand même. Hein. Heureusement qu'il y a des vieux qui meurent. C'est ça, ça régale. Quand vous êtes triste dans votre vie, pensez au fait que les vieux meurent. Et ça, ça vous fera plaisir. Ça me permettait de tenir pas mal pendant le Covid. J'ai le droit de faire cette blague. Une de mes grand-mères est un peu morte de faim. J'ai un peu le Covid pass.
je le sais pas. Alors, rituel de la colère. Laissez vos adeptes s'adonner au chaos, il y a la violence. Lisez le chef de la colère, obtenu du péché. Bah ça, on sait qui c'est, hein. Ou gourmandise cannibale. Les adeptes se nourrissent d'un adepte choisi. C'est horrible, ça. Non, bah non. Non, les gars. Battez-vous. Vous aimez vous battre? Oh là là, ça va se casser la gueule. Ça va me coûter des camélias, cette histoire. Ça va me coûter des camélias, cette histoire. C'était pas une bonne idée, cette histoire. Tu me fais le roi de la violence. Ok. Maintenant, c'est parti. Vous avez faim, je vous ai compris. Il est hors de manger. Régalez-vous, régalez-vous, mes amis, mes enfants, mes frères. Voilà. Là, c'est niveau max, là, tout le monde est haut, là. Bonjour. Bonjour. Déjà. Oui, carrément. Carrément, merci beaucoup, Tizipa, pour les 2 ans. Merci beaucoup pour le soutien, des gros bisous. 2 ans, c'est beau ça. Petit Bob, t'es dans le jeu? T'as même pas eu de 15. Bon, c'est l'heure du rituel de la colère, mesdames et messieurs, mais ça me coûte tellement. À force que j'aille faire une run... Nonos. Je vais aller chercher les os, les gars. J'en ai besoin. Et dire le chef de la colère. Je me demande qui ça va être. Qui va être le chef de la colère, à votre avis? Allez, Tommy Gilles. Objet. Qu'est-ce qui se passe? Vous battez même pas pour de vrai? Ah si, vous battez vraiment. Pourquoi vous battez là? Pourquoi? Ah mais vous avez détruit... Bouxite. Mais là, vous êtes en... Mais non! Non, pas la lumière! Vous détruisez des trucs, bande de bâtards! C'est horrible! Tout ça pour si peu de péché, mais c'est nul! Oh putain, c'est drôle, mais c'est éclaté! Vous avez tout pété! Putain! Bande de bâtards! Mais tout pété! Bon. Vu que je vais aller chercher les os. Non, allez, c'est bon. Je vais aller chercher les os, c'est pas pourtant qu'il faut que je détruise tout. Un PHT qui s'est fait mal! Putain, vous avez tout détruit. J'espère que vous avez tout reconstruit. Bon. Je vous fais une petite réserve de bouffe. Ah quoi, vous savez quoi, j'ai eu... Oh quoi, oh non, ça serait triché. J'allais proposer de mettre en pause le temps qui passe. Mais je voulais juste avec, avec de la bouffe. Je voulais juste avec beaucoup de bouffe. Parce que là, je vais aller chercher Nonos et Camélia, les gars. On va aller en chercher à Adam. Pourquoi Bouxy est terrifié? Pourquoi t'es terrifié, Bouxy? Mais Tommy Gilles est en train de persécuter Bouxy? Tommy Gilles, j'accepte tout, mais pas ça. C'est pas les quoi, général du péché? Bon alors. Allez, Crypte 3, hein, bien sûr. Peut-être faire une Crypte 1, alors. Échec de la quête. Quelle quête? Merde, j'ai pas fait la troisième. J'ai oublié de faire la troisième décoration. Je suis abattu. Viens à l'agneau, la beauté d'oreilles de souris sont pareilles. J'aimerais l'inviter dans l'attente de l'accouplement, vous êtes d'accord? Oh mais Tommy... Tommy, ton mari est là? Tommy... Oh là là, Tommy JL. Bah, comment refuser une telle... En plus, il y a des Spernéco qui vient nous donner l'argent. Comment refuser? Comment refuser? Comment refuser la demande de Tommy JL? Putain... Bon alors, Tommy. Tommy avec oreille de souris. Putain, Tommy, il veut faire des gosses, hein.
Tommy, il est trop officiel. 78% de baise. Bah, allez, hein. Ah, parce que oreille de souris est... Il est sûr. Bon, bah les gars, je vous laisse. On vous laisse faire vos affaires. Regardez pas, hein. Je dois choisir les croyances, ignore les rebelles, c'est bien ça. T'attendre. Gagne des niveaux plus rapidement, ça c'est bien. Aime se battre, non. Très tendre avec les autres. Réduit la génération de péché, mais augmente la productivité. C'est bien ça aussi. Et en plus ça donne de la foi. En fait non, je vais pas enlever. Je vais enlever celui-là. Et voilà. Ça va être pas mal, cette histoire. Bravo. T'as pas l'air tellement content de l'avoir fait, ce gosse, hein, Tommy. Vous êtes fatigueux. Et qu'est-ce qui se passe si je casse un œuf? Non, mais c'est pour savoir, hein. C'est mon ami. Ouais, c'était pas terrible, finalement. Oh le bâtard. On me dit que c'est pas dans le jeu ça, c'est Tommy Gigel qui l'a directement écrit de lui-même là. C'est un message personnel. Oh le bâtard. Tu comptes rester à t'étirer là pendant une heure, connard? Va dormir. Supplie quoi, va dormir. Gros con. Alors. Ah, c'est infini, j'ai l'impression que je n'ai jamais de temps de repos ici. Oh ma prochaine run elle va être bien. Je vais avoir deux bonus là. Ok. On fait une petite pause. Et après la pause, on va faire une run les gars. On va faire une de ces runs. Ça va runner, hein. Ça va runner, je parle pas de la taupe. On se retrouve dans 3 minutes sur Twitch. Dans 2 jours pour YouTube. 2 jours si j'oublie pas de faire mes VOD. Hein. Ça arrive des fois, désolé. Ça arrive des fois. Bisous YouTube, à très vite. Salut.